Salut à tous, mes petits salamés, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir ce magnifique tripack de Astro Radio avec un petit Nymphalie en promo et le jeton de Evoli. Bon, je vais vous montrer vite fait le lot et on commencera directement la magnifique vidéo. Donc, je vous invite à faire pause pour lire ce qui est marqué juste ici. Et ici, on peut remarquer le magnifique Dialga. Bon, le Dialga, comme ça, il est dégueulasse, je vous l'avoue, mais bon. Il n'est pas pour rien. Hop là. Je préfère le Dialga normal plutôt que le Dialga de ce format. Hop, allez. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. Allez, nickel. Hop. Ça, on enlève. Et on met tout de suite la Nymphalie dans une petite protège-carte. Elle m'a l'air bizarre, mais bon. Hop. La Nymphalie qui est trop trop belle. Voilà. Elle est super jolie. Je vais la mettre de côté. Hop là. Le jeton de Evoli qui est également super joli. Bon, il y a déjà des traces, mais c'est pas très. Hein. Bon. On n'y peut pas. Hein. Je vais le mettre de côté également. Hop. Le code online qui est juste là. On le retire. Hop là. Et du coup, on a Archiduc, ici présent, voilà, de S3U, un Palkia et un petit Dialga. Donc, on terminera par le Palkia, ensuite on va faire le Dialga et on commencera par le Archiduc. Donc là, j'ai une ouvre. Ah, j'ai mal ouvert. Et en plus, le booster, il a bizarre, mais... Allez, hop, on met ça de côté et on fait 1, 2, 3, 4 pour mettre la reverse à la fin. Et du coup, c'est parti les amis. On va décaler un peu ces petits boosters et c'est parti. Donc on commence avec une énergie combat, un Kirlia, un Turbo Patience en dresseur, Dinoclier en pâte à modeler. Donc comme vous le savez déjà, je kiffe énormément les Pokémon en pâte à modeler. Des Manta. Voltorb de dessus, je crois que j'avais retiré deux cartes en même temps. Bargantua de issue également. Shaglam, Medina, Archéodong en reverse et un Archicator, donc ça fait super plaisir. Une petite ultra dès le premier booster, c'est parfait, c'est nickel. Hop, on va le mettre sous un petit protège-carte. C'est parfait, c'est nickel. Hop là, le magnifique Archiduc. Voilà quoi ensemble. Voilà. On le met de côté pour la fin de la vidéo. Et on continue avec le Dialga de l'issue. Qui pour moi est dégueulasse. Je préfère largement le Dialga normal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, y faire. Allez, nickel. Oh, collé à une blonde. Bon, du coup, on commence avec une petite énergie plante. Un Togetic, un Oursaring, Roxane en dresseur, Barloche, un Sécateur, Evoli, Scarino, allez, une TG s'il vous plaît, c'était dur ça, ah bah non, c'était juste ici, donc ça sera un simple Archicator en reverse et un Seracrol de essuie. Bon, c'est pas tip top ces petits boosters, mais c'est pas grave, allez. Donc il me semble aussi qu'il y a une extension, enfin oui, il y a une extension de la série. Donc, là. Donc on passe maintenant au booster de Palkia. Donc je l'ai mal ouvert. Allez. Voilà. Et du coup, allez. Oh, comme une noire, ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4 pour mettre l'art et l'inverse à la fin. Et du coup, c'est parti les amis. Est-ce qu'on aura une carte d'extension? Ça ferait plaisir. Donc, on commence avec une petite énergie électrique. Rusticité, pardon. Mon danseur. Furesson qui est juste magnifique. Fortifiant obscur, donc tu es un dresseur. Archéomir, pardon. Brindibou. Moustillon. Un sécateur.
Serfos, du coup, j'ai spoil, il n'y a pas de l'extension, tant pis, c'est pas grave. Et un Bastiodon en holographique, ça fait toujours plaisir. C'est pas mal, c'est cool. Hop, je vais le mettre tout de suite sous un petit protège-carte. Voilà. Et ça fait super plaisir d'avoir une petite holo. Walou, walou. Donc, du coup, dans cette petite ouverture, on a. Du coup. La petite pièce de Evoli qui est super jolie. On a eu également le petit Nymphali promo. Voilà. Le Bastiodon en holographique. Et le magnifique Archicateur en V, tout simplement. Voilà. Les trois sont super jolies. Mais sincèrement, je préfère la Archicateur. Voilà. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez, mais si elle mèche. Moi, personnellement, c'est vraiment l'Archiduc. L'Archicateur, pardon. Elle est superbe. Voilà. Bah voilà les amis, je suis désolée, mais c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Donc si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Ça m'aidera énormément. Et ça me fera énormément plaisir également. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette petite vidéo. Pour bien entendu ne plus rien louper. Voilà. Bon voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Allez, salut!